Coucou les cupcakes, je vous prends, on est le jeudi 28 septembre, il est 7h12, c'est très silencieux, je suis la première levée. Quand mon réveil a sonné à 7h ce matin, je me suis rendu compte que j'étais pas fatiguée, vous voyez, je suis pas genre, je reste au lit encore 5 minutes et tout. Du coup, je suis juste restée un petit peu le temps de m'étendre et tout, là je suis descendue, et en vrai ça va, je suis plutôt motivée, donc je me suis déjà levée. J'avais préparé le petit déj des enfants, enfin pipi matin mais on s'en fout, petit déj des enfants, je pense que je vais même aller m'habiller, histoire d'être vraiment motivée jusqu'au bout. Et après comme ça les enfants j'aurais pu caler les habiller et tout. Et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti. Coucou mes grandes filles. Bonjour Weasley. Bonjour Discord. Didis. Non. Didis elle a entendu bruit, elle est intriguée. Et là exceptionnellement vu que ça fait très longtemps qu'ils sont sages, j'aurais mis un plateau, je leur ai dit que vous pouvez prendre le petit déjeuner devant la télé. C'est assez rare. Je me suis dit que ça leur ferait plaisir ce matin. En plus, ils sont levés tôt, donc enfin pile à 7h30. Ils sont déjà habillés, donc bon. Vous avez fait après quoi? Ma douche. Après ma douche, on a balayé. Bon. Il est 8h15, j'emmène les garçons à l'école, c'est parti. Ils sont déjà au taquet dès le matin. J'étais presque bien habillée, mais j'ai quand même mis la veste de jeu parce que j'ai froid. Et j'ai mis des chaussures Bob l'éponge, même si ça va pas du tout avec, parce que au moins elles sont plates et c'est plus pratique, c'est des slip-on, donc je préfère. Il est 9h30 et j'ai fini tous mes montages. J'ai mis en ligne une vidéo qui sort ce soir. Et j'ai monté aussi la journée d'hier, ça fait un vlog plus petit, mais du coup il sortira demain. En fait je suis presque à des vlogs, quasiment un vlog par jour ou un vlog tous les deux jours. Et c'est cool, j'ai repris mon rythme et tout et j'ai très envie de faire plein de vidéos et de filmer, donc ça c'est cool. Et je pense qu'après du coup je vais peut-être soit me maquiller, soit faire direct ma petite bucket list, I don't know, mais j'ai très envie de papoter, donc voilà. Waouh, il est 11h25, je vais chercher les enfants. J'ai dû abandonner Chat et Lulu qui faisaient le puzzle. Chat, il nous a rejoint là pour trouver une pièce en disant t'inquiète, je vais la trouver parce qu'il a focus dessus. Mais c'est super chiant parce que du coup, je suis en train de le faire sans moi. Bref, je vais chercher les enfants et après, je rentre leur faire à manger. On y va, Bouille. On y va, tes orphelins nous attendent. Allez! Le puzzle il est fini. Petite salade, c'est ma dernière sucrine. Bref, sucrine, tomate cerise, riz, mozzarella, oignon frit et ma petite vinaigrette habituelle. Je reprends, il est 19h15, les enfants sont en train de manger. Du coup, il est 19h15, les enfants mangent. Sarah est partie ramener Chat et accompagner Chat. Il est parti faire une course et après il rentre chez lui. Il repasse peut-être ce soir, ou demain ou après-demain, cela dit. Il ne sait pas encore, je ne sais pas. Et c'est pas grave, il passe quand il veut de toute façon. Parce qu'il avait des choses à faire chez lui, des choses à récupérer, tatati tatata. Après il ne sait pas s'il demande ou s'il reste avec Sœur, s'il reprend le train et tout. Donc du coup, il est plutôt du genre à vouloir improviser ce soir. Donc voilà. Ça m'a fait du bien de le retrouver pendant deux jours. J'étais super contente. Et après, je sais pas là, du coup, en même temps, je vais pas le voir et le revoir, mais vraiment pas beaucoup. Pour l'instant, il est revenu dans le coin. Et ça me fait plaisir, ça me fait bien quand même. Donc, cela dit, je suis très contente. Même si j'avoue que j'aurais aimé grappiller un dodo ou deux de plus, tu vois, j'aime trop faire dodo avec lui. Parce que du coup, ces deux dernières nuits, j'ai bien dormi. Bien mieux, ouais. Et là, je me dis, putain, faut que je redorme seule, j'appréhende, j'aime pas ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça qu'il faut s'y faire aussi. Il y a plein de nuits où je vais dormir seule. Et ouais, sinon ça va.
L'ensemble de la journée était cool. Du coup, j'ai pas trop vlogué, je vous avoue, quand il est là, c'est vrai. Alors, on a fini le puzzle Harry Potter, ce qui du coup nous a aidé. J'aime bien le faire avec Neto, c'était marrant. Après, on a regardé des vidéos dehors, vu qu'il faisait bon, pendant que sœur, elle passe un peu la tondeuse et tout. Après, j'ai récupéré les enfants, on a continué à papoter, à rigoler, à faire les cons. Hein, donc, rien de bien productif en somme, mais ça m'a fait grave du bien. Et j'ai réussi à me brûler avec un briquet. Voilà. Et ça me nique sa mère, par contre, ça, depuis 2-3 heures. J'ai mis des glaçons et tout, je sais pas comment on fait pour que la brûlure passe. Ça veut pas. Re-coucou, je vous reprends, il est genre 22h, j'ai fait cuire des spaghettis, j'attends que sœur rentre. Je me suis pris une petite bière, je vous avoue j'avais très envie de boire une petite bière, donc je me dis why not. Je m'illumine juste avec le petit, il y a une bougie allumée là-bas et là il y a mon petit néon arc-en-ciel que vous voyez dans mes lunettes. Juste ça et le PC, pas besoin de plus d'électricité quand t'es toute seule à la maison, clairement pas. Donc voilà, le rat. Coucou les cupcakes, vous prenez le vendredi 29. Il est 7h35, pas 7h05. Ouais, comment je suis exténuée. Hier, je me suis couchée vers 3h. Enfin, je me suis couchée plus tôt, mais j'ai pas réussi à m'endormir avant 3h du matin. Et là, je me tiens comme ça, penchée en avant sur le plan de travail. Parce que c'est pas drôle. Vous pouvez peut-être voir ma gueule que je souffre. Hein. J'ai extrêmement mal au foie. Mais Mimi. Et il se couche contre le truc, elle passe sa queue devant la caméra, on voyait ses poils. Et Bibi, bref, on part sur une bonne journée. Fuck. Surtout que normalement, aujourd'hui, je suis censée accueillir Loupi. C'est le labrador que j'ai déjà gardé, je suis censée le regarder encore ce week-end. Bref, on va voir. Je sais pas du tout à quelle heure elle vient me déposer Loupi aujourd'hui. Moi j'aimerais bien la pouvoir prendre les enfants à l'école et me remettre au lit en fait en rentrant parce que ça va pas du tout. Soutenez-moi, bon courage. Je suis exténuée, j'ai trop mal au billet. Après les 10h29, vous êtes posée sur ma peluche Bouboule qui fait un très bon trépied à la bonne hauteur. Je viens de me faire un thé vert. Un litre de thé vert, j'abuse, mais voilà, un gros chaudron de thé vert. Toujours l'estomac en vrac, j'ai essayé de manger un petit biscuit. C'était pas une bonne idée. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup vlogué ce matin parce que j'ai été me recoucher. J'ai vraiment fait, j'ai été me recoucher au côté de chat. Ça allait, et du coup, bah, la maman de Loupi m'a appelé tout pour me dire qu'elle allait pas tarder à arriver. Donc, du coup, bah. Pardon, je disais, du coup, bah, je me suis levée, j'ai fait mon thé. De toute façon, la maison est à peu près rangée, il va juste falloir ramasser un ou deux caca de chat. Et ma soeur avait installé, mon papa nous a donné une barrière bébé. On va l'installer sur la porte de la cuisine, enfin sur l'entrée de la cuisine, comme ça, ça fait que quand on pète dans la cuisine et tout, parce que Loupi, pour ça, il est embêtant, il est toujours dans les pattes et tout. Et c'est compliqué, puis comme ça, Discord et ses chatons pourront quand même aller dans la cuisine tranquille. Et Macchiato aussi, je sais pas du tout comment Macchiato va réagir à la présence d'un chien. J'espère qu'elle va pas rester cachée, je sais pas. Et j'ai laissé mes écarteurs dans la chambre, bien évidemment. Écoutez, voilà. Enfin, avec moi pour cette journée. Waouh, de folie. Par contre, le temps est trop cool. Il est pluvieux léger, ciel gris. Waouh. Et puis, l'envie, c'est de mettre dans le canapé, genre avec des bougies partout et regarder un film, genre Halloweenesque ou quoi. Genre spooky, mais pas horreur. Tu vois, putain, j'ai oublié. Bref, j'arrête de blablater. Voilà le loupi patate. Le loupi patate patate. Oui, ça rigole plus. Sœur a sorti la 12 volts. Tintin. Parce que du coup, le but c'est d'installer ça. Yay! Il est 13h20 et je ramène les enfants à l'école, toujours avec cette sale tête là, vraiment. Comme d'hab, mon œuf il s'est crevé, je suis dégoûtée, ça me saoule.
Heureux, je vous reprends. J'ai changé presque d'outfit. C'est-à-dire, j'ai mis ce sublime pull. Et quand je dis sublime, je me moque pas. J'aime vraiment ce pull. Beaucoup. C'est Maëva qui me l'a donné. Je le trouve incroyablement mims. Il est 15h22. J'ai pris ma douche, tout ça. Et j'étais en train de retourner mon armoire parce que je voulais mettre mon jean avec. Parce que je trouve que c'est un outfit super beau et basic, tu vois. Et je suis à l'aise dedans. Mon jean est chez ma mère. Dans le Périgord. J'avais oublié. Ça m'a pété. J'ai pété le seum. Du coup, j'ai mis un jogging avec et je suis laide. C'est pas grave. Un petit peu, parce qu'en ce moment je me trouve moche tous les jours. Voilà, c'est compliqué. Mais enfin bref, on va pas y remédier beaucoup, mais je vais faire fondre des Kinder, genre en mode un peu au bain-marie, et je vais les mettre dans des petits moules à cupcake comme ça, puis au congélateur. Je mettrai du beurre de cacahuète et on remettra du Kinder. En gros, on va faire des Reese's Kinder beurre de cacahuète. On va tenter. Je sais pas pourquoi, mais on va tenter. Je vous ai pas montré, mais j'ai mis au congélateur. En gros, j'ai fait fondre la première. Pardon, la première tournée. Je rote la Monster, c'est horrible. Je disais, j'ai fait fondre la première tournée de Kinder et j'ai mis au congèle. Ensuite, je vais mettre le peanut butter recouvert de chocolat et remettre au congélateur. Voilà. Étape numéro 2, au bout de 10 minutes que c'est bien congelé le chocolat, mettez le peanut butter puis re un petit peu au congélateur avant de pouvoir recouvrir le chocolat. Maintenant que j'ai recouvert le chocolat, j'ai mis au congélateur et je vous montrerai à la dégustation. Je vous prends, il est 20h passé, les enfants sont au lit et du coup nous on est avec Quentin parce que du coup Quentin est arrivé entre temps, je vous montre, mais Quentin est parti fumer une clope dehors et du coup ce soir on se fait Harry Potter. Voilà, il a commandé des pizzas et on va manger des pizzas du coup devant Harry Potter 1. Je suis contente, j'adore regarder Harry Potter. Voilà, et Chat est reparti chez lui et je sais pas quand il revient, maybe demain, après-demain, I don't know. Bon les gars, je vous reprends, il est minuit, je vais me coucher. Et en toute honnêteté, je pense que s'il n'y avait pas eu Quentin, qu'on n'aurait pas passé une aussi bonne soirée. Je serais partie me coucher il y a de ça au moins 2 ou 3 heures. Vraiment tellement je suis éclatée. Vraiment d'avoir dormi environ 3-4 heures la nuit dernière max. Voilà, en comptant la deuxième partie de nuit ce matin. Je suis un peu exténuée. Et en plus, j'ai potentiellement mes règles qui se sont déclenchées là. Alors que normalement, elles sont censées arriver plus tard. Mais je ne suis pas réglée, donc distancée, mais... Voilà. Mais du coup, petite soirée pizza très chill devant Harry Potter. On adore, on a parlé tatouage, dessin, machin, c'est trop cool. Mon amie Alice, elle a à jour la liste de tatouages. En fait, en gros, si vous voulez, j'ai une liste avec les motifs définis que je veux, genre en mode les écritures et les mots, les petits projets, les gros projets et les idées vagues. C'est-à-dire, par exemple, je voudrais un tatouage en rapport avec Aurel San, mais je sais pas quoi encore. Donc, c'est juste vaguement, je veux un truc qui me fait penser à lui sur mon corps, tu vois. Et il y a des tatouages, par exemple, c'est marqué juste une épingle à nourrice. Donc ça peut être un tatouage grand comme ça, mais ça peut être mis du coup dans un autre projet. Tu vois, qui peut être mis plus loin. Mais en gros, j'ai quand même 59 éléments différents. Ça fait pas mal de projets. Et du coup, je faisais ça parce que sœur, elle faisait ça aussi. Du coup, comme ça, on parlait un peu de tout ça avec Quentin, tout c'était grave cool. Les pizzas, du coup, on a mangé une pizza au curry. Normalement, c'est base curry, poulet et tout. Et du coup, Quentin, elle a commandé sans poulet et on remplace avec du fromage. Comme ça, bah, elle est quand même vachement bonne. Même s'il n'y a pas de viande, je peux la manger. Après, on a pris une 4 fromages. Comme ça, tout le monde peut en manger. En plus, c'est que base crème. Et après, en autre base crème, ce coup-ci, on a pris une raclette. Du coup, sans le bacon. Mais sur la raclette, contrairement à la tartiflette, il y avait un œuf avec. Bah, c'était grave bon. J'ai bien aimé. Trop mimes. En gros, il a pris que 3 pizzas et qu'il a végétarisé quoi qu'il arrive. Comme ça, il a dit, bah, je peux manger des 3. Je trouve ça trop mignon. Et on a regardé Harry Potter 1. Et je suis grave contente parce que vous savez à quel point j'adore Harry Potter. Donc, c'était trop cool. Mais là, je suis éclatée. Et tatax, je vais aller dormir. Toute seule. Dans mon grand lit froid. Parce qu'en plus, là, j'avais laissé la chambre aérée. J'aime bien faire ça parce que, en fait, le fait de se coucher dans une chambre fraîche et que ça se tourne dans le frais, j'aime bien. Mais j'espère que je vais avoir chaud parce qu'en fait, quand il y a chat, j'ai même pas besoin de 2 couettes. J'ai besoin de la couette de place avec lui. Il réchauffe la pièce, tu vois, c'est un radiateur. C'est excellent. Et là, du coup, je vais avoir besoin de 2 couettes sûrement en plus. Enfin bref, j'arrête de blablater. Je vous laisse là et je vous dis à demain les cupcakes. Bisous!